Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2023. Un texte que tout le monde connaît, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham. Ce sacrifice qui mena Abraham jusqu'à l'acte ultime, c'est-à-dire de préparer un holocauste avec comme pour seule victime, en guise d'agneau, son propre fils, son unique fils, celui que Dieu avait tant tardé à donner à Abraham. Mais Abraham, dans une obéissance aveugle, répondra favorablement à la demande de Dieu qui lui demandera d'offrir son fils, son unique fils, en sacrifice. Ce que le Père fera plus tard avec son propre fils lui-même, puisqu'il l'offrira en sacrifice en le pendant au bois de la croix pour nos péchés, pour nos multitudes de péchés, quels qu'ils soient. Abraham obéit. Abraham ne retint pas la main puisqu'il éleva la main au-dessus de son propre fils, qui lui aura posé la question: mais Père, nous n'avons pas d'agneau pour le sacrifice. Et Abraham, dans une confiance aveugle, va dire: Dieu pourvoira. Et Dieu pourvoira effectivement en lui donnant un bélier pour justement offrir à la place de son fils ce bélier. Mais pour le Père éternel qui nous aime, il n'a pas retenu son fils. Son unique fils n'hésitera pas à dire: Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous voyons que Jésus acceptera de mourir sur la croix pour chacun de nous. Et du reste, dans le psaume, c'est ce qui est présenté dans le psaume 114, puisque Jésus prononcera ces mots du haut de la croix. Il récitera les psaumes, tous les psaumes qui lui sont attribués, tous les psaumes qui parlent de ce sacrifice, un sacrifice qu'il acceptera de prendre et non pas qu'on lui imposera. C'est lui qui acceptera de donner sa vie. Personne ne la lui prendra, du reste il le dira lui-même. Personne ne prend ma vie, je l'offre pour la multitude. Eh bien oui, nous avons devant nos yeux deux événements qui sont semblables et pourtant bien distincts. Tout ça pour nous faire comprendre l'évangile du jour. L'évangile du jour où Jésus dira à cet homme qu'on lui présentera paralysé: confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus sait très bien que cet homme est l'instrument parfait pour manifester le sacrifice que lui allait payer pour cet homme. Le sacrifice qui sauverait cet homme de ce péché. Les personnes qui seront autour de lui, les scribes, diront: celui-là blasphème. Et les scribes pensaient bien ce qu'ils disaient. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dira: est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Mais afin que vous puissiez voir que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé et lui dit: lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Et à l'instant même, l'homme se leva et rentra chez lui. Les foules furent saisies de crainte. Et oui, chaque fois que j'ai vu un paralysé se lever, tous ceux qui étaient autour étaient comme choqués, surpris que Dieu puisse lever un paralysé d'un fauteuil. Pour moi, c'est chose normale que Dieu lève quelqu'un d'un fauteuil roulant. Qu'il pardonne les péchés, c'est pas si normal que ça. Parce que moi, des fois, il m'arrive d'avoir du mal à me reconnaître pécheur. Mais Jésus, lui, est capable de pardonner et de ne pas retenir nos fautes. Alors un paralysé, qu'est-ce que c'est?
franchement, c'est que du mécanique. La conversion d'un homme est tellement plus compliquée parce qu'il y a derrière le libre arbitre, cette volonté à se reconnaître pécheur ou pas. Cette volonté à accepter de se laisser charger du bois de l'Holocauste, comme le fils d'Abraham, Isaac, fut chargé du bois pour l'Holocauste, comme Jésus fut chargé du bois de la croix pour offrir sa vie en sacrifice saint. Alors le péché, pardonner les péchés, Dieu seul a été capable de pardonner. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à dire à Dieu, Seigneur, dans bien des domaines de ma vie, je suis paralysé, je suis comme sclérosé, je suis même attaché à ce qui m'empêche de bouger, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser, tout comme Isaac, tout comme Jésus à la croix, tout comme cet homme paralysé par le péché qui l'empêche d'avancer. Mais Père, dans ton infinie miséricorde, ne regarde pas ma faute, mais la foi de ton Église. Ne regarde pas mon péché, mais toute la foi de ton Église qui crie aujourd'hui vers toi, qui implore ta miséricorde, qui implore ton salut. Parce que toi, Seigneur, tu entends le cri de ma prière. Tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie, je vais t'invoquer. J'étais pris dans les filets de la mort. J'étais incapable d'avancer ni d'aller plus loin. Mais tu as retenu dans les liens de l'abîme. J'ai éprouvé toute la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué ton nom, Seigneur. Mais Seigneur, toi, je t'en prie, délivre-moi de ce qui m'empêche d'avancer, de me lever de mon fauteuil, de m'enlever de ma civière. Viens me libérer, Seigneur, de ce qui m'empêche de croire en ta miséricorde, en ton amour pour moi. Seigneur, tu es tellement tendresse et pitié, justice et paix. Oui, j'étais faible et tu es venu me sauver. J'étais pécheur et tu m'as sauvé. Tu as sauvé mon âme de la mort. Tu as gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Oui, Seigneur, toute ma vie, je vais marcher en ta présence désormais sur la terre des vivants. Toute ma vie, je vais proclamer ton nom. Parce que tu es venu me lever de mon fauteuil, de ma sclérose en plaques. Tu es venu me lever également de tout mon péché. Tu es venu me laver de ce qui m'empêche d'avancer. Tu m'as visité, Papa. Tu es venu me guérir. Comme tu es venu guérir tous mes frères et sœurs ici présents, que je te présente à cette heure-ci. Guéris-les, Seigneur. Visite-les, libère-les. Donne-leur la vie en abondance. Pardonne-leur leurs péchés. Et sauve-les. En leur disant à chacun, après leur avoir pardonné, merci d'exister.